nos chers fidèles, frères et sœurs en Christ de la ville de Kinshasa, Brazzaville, partout ou dans le monde, bonjour. Oui, nous sommes là au rendez-vous, notre rendez-vous dominical, notre rendez-vous de ce dimanche 16 avril 2017 au centre de réveil spirituel. Une occasion de vous inviter, vous tous, vous êtes en train de nous suivre partout là où vous êtes. Je ne sais pas, peut-être Brazzaville, ou soit, je ne sais pas, vous nous suivez à partir de l'internet, ou soit vous nous suivez à partir de la télé. C'est une façon de vous inviter au centre de réveil spirituel dans le culte d'aujourd'hui. Je vous signale aussi que je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de l'apôtre Mukunzi, à qui je profite de l'occasion pour lui dire bonjour. Bonjour apôtre. Bonjour ma sœur Madou. Apôtre, nous sommes là, nous sommes devant la population en train de nous suivre pour le culte d'aujourd'hui, dimanche 16 avril 2017. Je ne sais pas ce que vous dites à cette population. Ok, nous disons à tout le monde qui nous suit que au centre du réveil, chaque dimanche, il y a toujours une dimension exceptionnelle qui se présente. Non seulement la prédication, mais aussi, il y a aussi des témoignages terribles, des choses qui se passent parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre au centre du réveil chaque jour. Dieu proclame toujours une surprise pour son peuple. C'est pourquoi nous demandons tout un chacun qui est en train de suivre d'être branché, d'être connecté, même si tu es en Europe, tu es aux Amériques, tu es en Nouvelle-Zélande. Je t'informe que mon frère et ma soeur, soyez branchés et réellement, soyez en connexion avec nous. Dieu va faire quelque chose. Vous savez, ici, il y a les gens qui ont vécu des miracles au téléphone. De la même manière, il y a même les gens qui ont suivi des miracles. Moi, si mon cousin miracle, à Zali Kolo, à Ndako, Moussa, à Zamba, Zole, Kapamba, à Pessie, Kakambote, à Zuizem, moi, si à Bota, Kate, Bambou, les Bélé. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a des choses de terribles qui se font. Donc, même en nous suivant, en suivant l'homme de Dieu, à travers de votre petit écran, vous pouvez recevoir votre miracle, vous pouvez recevoir la réponse à tout ce qui est en train de faire. Donc, puisse bien nous suivre. Ok, soyez connectés, soyez branchés. Chaque dimanche, ici, au centre de réveil spirituel, il y a toujours de surprises. Vous êtes peut-être aux États-Unis, vous êtes en Australie, partout où vous êtes en train de nous suivre. Je vous dis une façon de vous inviter au culte d'aujourd'hui, au centre de réveil spirituel, qui est dirigé par le pasteur Claude Kabundi Walesa. Je vous dis au centre de réveil spirituel, pas seulement la prédication, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a tout ce que, parce que nous sommes là, nous sommes devant Dieu, Dieu est capable de faire de merveilles dans nos vies. Je passe les micros à l'apôtre. Ok, bah oui, bah natufata mukuruga ya swahili tunabambia kama kitu nesha kwanza mungu natufata ku direct ni siku za leo za tarehe 17 yenyewe ya mwezi ya 4 unatufata andirect fasi unakuwa fuata kanisa na utaratibu kweli Mungu atatenda kwa ajili santi ya reverse kitu na kwanjo kwa Musa vitu yenyewe ilikufa santi reverse kitu na kwani juu watu bakalamuke bayua namuna gani batesi kuwa na ushiriki batesi kuwa na umoja na Mwenyezi Mola sepo kwa ule anatufuata kwa lugha ya Kiswahili fazi zote na kuya mwambie jirani kama kanisa inesha kwanza deja. Oui, à nous, nous ne jouons pas fuma kuji ilonda apôtre Mukunzi, nous fuma kuji nous les jambouani, disambila, dika dimana kubanga, déjà ni modération à papa Freddy, handi no ambilani, tout kaji déjà ni tout sonsa, tout kala tout hitabuni, tout ji, nous tout jouons fuma kuji banga, disambila, jetu, jalelu, moabeu, mou centre de réveil spirituel, disambila, jalelu, disambila, dinene, mounji, mounu ambila bouani. Jalbi mujosu tutwanu ni bishima bitu byenzeka mu centre d'orve spirituel nenu ka inu njuba manya na shakula na shamwa buju wa utulondela na shuku imuchi sanse muto mwikala mujitunga josu juju musanga nyibwa njinkule jabwanyi nzambi wetu tetu nzambi wa mu centre d'orve spirituel utuenza bishima ni maloku kema muji apotre mukunji mufuma ku jinuleja. Je vous dis, il y a quelques minutes, on a déjà commencé notre culte d'aujourd'hui sous la modération de papa Freddy. C'est pour cela que je vais profiter aussi de l'occasion pour vous connecter à cette, grande louange. Là, je vous dis que c'est Derrick Mouela qui est en train de louer Dieu à travers sa très belle chanson. Soyez connectés. Allez, 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 allez
Jésus, comme on a eu comme ça,